à la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. Dirigé par Philippe Fac et Yann Dolo, CDK Technologies est un chantier naval emblématique de la Cornouaille, sportive et maritime. Spécialisé dans la construction de voiliers prototypes pour la course au large, basé à Port-la-Forêt, le chantier a été créé en 1984 par Hubert Desjoyaux, disparu trop tôt en 2011. CDK est une belle histoire. C'est une histoire qui a commencé en 1984 avec Hubert Desjoyaux et quelques copains à lui. Et aujourd'hui, on est à la pointe de ce qui se fait dans la construction de bateaux de course. En plus de 30 ans, CDK aura marqué de son empreinte le monde et l'histoire de la voile et de la course au large, mariant allègrement avancées technologiques et fiabilité maritime. Chez nous, on ne fait que du prototype. Chaque petit détail est différent d'un bateau à l'autre. On est vraiment dans le domaine de la minutie, du haut niveau et de la performance. On est particulièrement attentif à la qualité des pièces. Les bateaux sont tellement complexes aujourd'hui qu'on est quand même obligé de rester sur de l'artisanat à proprement dit. On a toujours insisté sur la qualité, c'est-à-dire l'évolution, la recherche et la qualité. On a un contrôle qualité très important. Chaque pièce est vérifiée, radiographiée, pour vérifier qu'il n'y ait pas justement de malfaçon. Déjà vainqueur dans plusieurs Vendée Globe ou Route du Rhum, les bateaux CDK sont associés au plus grand nom de la voile. On a un métier de passion. Les gens qu'on recrute, forcément, ils travaillent en bord de mer, ils sont passionnés de bateaux. Chez nous, toute opération ratée ou pas tout à fait bien réalisée peut avoir une conséquence dramatique sur la vie du bateau. Donc, on a des niveaux d'exigence qui sont proches justement d'industries comme l'aéronautique. J'ai souvent l'habitude de dire que nos clients achètent des avions au prix des bateaux, mais c'est à peu près ça. On a le niveau de traçabilité matière, on sait exactement qui a fait une opération, à quel endroit sur le bateau, quelle matière a été utilisée. Le prix de la victoire, en fait, dans ce métier, c'est un vrai travail d'équipe qui commence avec un skipper qui va trouver un sponsor, qui choisit un architecte de haut niveau, ils sont tous sur le territoire, un bureau de calcul de haut niveau, généralement sur le territoire aussi. Ce n'est pas les bateaux les plus puissants qui gagnent les courses, c'est souvent les bateaux les mieux conçus, les mieux adaptés à leur skipper. Dans la plupart des cas, quand on travaille chez CDK, ça se termine par une belle histoire et on a un bateau CDK qui gagne à la fin. Trois derniers Vendée Globe des bateaux CDK, le record du tour du monde en solitaire bateau CDK. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille.